Mesdames, mademoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'air où vous attendez. Ici, Granger, Centre de recherche et d'analyse géopolitique. Réditez-moi l'histoire, réditez-moi l'histoire. Rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, 19 novembre 2023, l'an de grâce. Il est 17h30, soit 2h du temps et demi, des 18 novembre 1803 et des 19 novembre 1803 à 3h PM aux environs et Rochambeau. Le général impitoyable sanguinaire, le général raciste, le général sans pitié a baissé les armes. Face à la coalition de l'indépendance emmenée par Jean-Jacques Dessalines. 2h30 de plus, car il est 17h30 ou 5h30 de l'après-midi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, rien de nouveau sous le soleil. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, nous te disons merci pour la nuit passant bien sur ta divine protection. Donne-nous la force nécessaire, la santé nécessaire. Bénis-nous, bénis nos amis, aide-nous. Inscris-nous de chacun de nous à l'être de ta divine vie. Nous t'en prions, Messie, notre Jésus. Amen. Viens de nouveau sur le soleil. La révolution mystérieuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, avant de faire une sorte de parallélisme entre la révolution des 18 novembre 1803, la bataille des Vêtières, et avec aujourd'hui, puisque rien de nouveau sur le soleil, je voudrais succinctement faire une courte révision de ce que nous allons considérer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, rappelez-vous, avant d'arriver à une révolution, on considère RFR. R pour ridicule. Ce n'est rien. On met tel habillement, tel sac, ce n'est rien. Parce que c'est ridicule, hein? Comme dit l'autre frère. Comment on a pu comprendre sur costume de 700 dollars américains, comme dit l'autre fois, l'autre frère, qui est extrêmement difficile quand c'est un jour samedi. Ce frère-là est extrêmement difficile quand c'est un samedi. Comment on puisse imaginer, car les samedis doublent deux fois, les réflexions viennent beaucoup plus terribles. Comment t'appeler au monde qui gagne 700 dollars, dit l'autre? Et puis, on mettait un sac sous lui et puis la poule à terre. Ça paraît ridicule. Mais quand je reste au centre, fanatiste. Mais regardez, c'est ridicule. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, on considère le leader, le docteur, comme un fou. Et plus tard, en avril 2024, ce sera le début de la révolution. Et c'est là, c'est sérieux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est l'analyse quand on observe et les différentes révolutions, etc., etc. Mais quand on regarde aussi avec Alberto Rivière, à travers son livre « Les crimes du Vatican », un prêtre qui explique
à l'intérieur. Il a dit qu'on voulait, après qu'on a excommunié un prêtre rebelle, la première chose qu'on fait, on a ridiculisé ce prêtre-là. Après qu'on a ridiculisé ce prêtre-là, etc., etc., vous persistez aussi, on a discrédité. Pendant que vous avez la bourse, vous discrédité. Et après, discrédité, excommunié, ou à part, ou toujours persisté dans la révolte-là, vous assassiné. Assassiné caractère. Regardez, vous avez dit tel président c'est voloyé, et tel c'est voloyé, vous ridiculisé, vous discrédité, vous vicieux, ou t'acheter, quand tu manges toujours là, dans la matin, ou tu as acheté manger, là, quand madame, ou tu as le corps, comme là, tu es toujours là, c'est volé, moutoye. Et ensuite, on finit ridiculiser, discréditer, suivre bien là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons utilisé ça pour expliquer on est et nous sommes dans une chose extrêmement sérieuse. Dans la première phase, je considère l'aspect lunaire après chaque pleine lune. Et ensuite, d'autres aspects, l'aspect politique, l'aspect étymologique, l'aspect anachronisme du grec ana, on va à travers chronos temps, à travers le temps, synchronisme syn du grec avec et chronos temps. Avec le temps, à travers le temps, parce que ce sont des principes pour arriver à comprendre. Et on a analysé ça étymologiquement, culturellement, grammaticalement, anachronismement, synchronismement, et pour arriver à l'aspect exégétique. On a fait tout ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans une chose extrêmement sérieuse et extrêmement sérieuse. À ne pas oublier, la révolution, comme on dit, c'est un retour périodique, c'est un retour périodique, revolvere, retour en arrière. D'où la révolution, on a comme un aspect cyclique. La révolution, c'est comme un aspect cyclique des quatre saisons de l'année, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Les 12 mois de l'année, on voit janvier, février, mars, avril, on voit, c'est la cyclique, la révolution et l'évolution, c'est la terre qui tourne autour du soleil en 24 heures, etc., etc. On considère ça comme révolution, c'est un retour. On a considéré les 7 types de révolutions que Cranjé avait déjà parlé. Révolution biologique, révolution cognitive, révolution agricole, révolution morale, là on trouve la religion, révolution énergétique, révolution numérique et révolution évolutive et à travers tout, sans oublier la révolution industrielle. Et au Canada, on parle de révolution tranquille. On parle de révolution tranquille, c'est à cause de l'éducation, etc. On connaît la révolution tranquille. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On est dans une révolution césarienne. Mais cette révolution césarienne entourée d'une révolution mystérieuse. À ne pas oublier, quand je parle de paradoxe et mystère, dit Ewol George, mon frère. Paradoxe et mystère. À ne pas oublier, quand j'ai dit ça. Paradoxe et mystère. C'est-à-dire, ça arrive à un moment que vous êtes en mesure de ne pas contrôler la situation. Paradoxe et mystère. À ne pas oublier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, après paradoxe et mystère, on a parlé des théorèmes, d'axiomes, boîte de Pandore, etc. On a annoncé tout cela parce que la répétition est la mère de l'apprentissage. Ce n'est pas quand j'ai qui pourra le faire ni 12 vidéos, ni 22 vidéos, ni 32 vidéos. On prend ni 72 vidéos, ni 112 vidéos, c'est ou même qu'à suivre vidéo quand j'ai, parce que quand j'étais bas 12 conseils, des fanatistes aveugles, j'ai pété clairé, qui t'a dit, pardon, entre parenthèses, qui t'a dit, pas suivre monsieur ça, garder le silence, mais aujourd'hui l'heure est arrivée pour ne pas entrer dans. Ça te prend le venir avec tout véné quand même, n'a parlé. C'est pas quand j'ai pas fait vidéo. Au contraire, c'est nous qui devons remercier quand j'ai, parce que
nous te dit pas ta parler, garder le silence, l'Éternel combattra pour vous. Et je dis, on a dit tout venez quand dans nous, on a retiré. Quand j'ai entendu tout ça, on est bien avant de dire. Non, non, non. Au contraire, il faut nous t'a. Bref, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, l'ouverture de la boîte de Pandore et la boîte de Pandore se multiplient encore. À ne pas oublier, c'est une révision, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour vous mettre dans le bain. Car il y a plusieurs des fanatistes qui arrivent trop tard dans un monde trop vieux. Parce que le train est déjà en marche. On ne peut pas prendre le train en route. C'est-à-dire, si on prend le train en route, vous arriverez trop tard dans un monde trop vieux. Et mais maintenant, pour vous mettre dans le bain fanatiste, il faut écouter deux fois. Car vous avez deux oreilles et une bouche. Avant de parler, avant d'écrire, il faut écouter quand j'ai attentivement. Car nous passons à l'autre bord. C'est-à-dire, nous traversons dans une chose extrêmement sérieuse. Et là, je suis très, très sérieux. J'ai laissé les choses bagatelles en arrière, en suivant des conseils, etc. Frère Vava, Frère Stéphanie Clairville, Sœur Stéphanie Clairville, Sœur Landrimi, et pour ne citer que cela, Ginette, Fanilia, pour ne citer que cela, Gabrielle Suzette, Yolandrimi, Rosemann. On congèle des mémoires, on, et ça, etc. Il y a des séjours, Stéphanie Clairville, bon, Mario Hudson et les autres fanatistes, hein, pour ne pas rendre. On laisse de côté des choses bagatelles, mais maintenant, on rentre très, très sérieusement parce que je dois écouter les autres personnes, moins âgées, âgées et plus âgées, pour faire avancer la cause. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis très, 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 très sérieux. Très, très sérieux, là. Les choses sont sérieuses et moi, je suis sérieux. Écoute, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes 19 novembre 2023, l'an des grâces. Et très bientôt, nous traverserons l'année 2023 pour 2024. Très bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, à ne pas oublier, cyclique, c'est une rotation complète, la révolution, une rotation complète de corps. C'est-à-dire, on part de là, c'est une rotation complète. Regardez là, c'est une rotation complète. 1844, c'est le point de départ. On parle là, ouais, c'est une rotation complète pour arriver à là. Et arriver à là, c'est 2024. Dixit Granger. C'est une rotation complète. Regardez bien. C'est une rotation complète. La révolution. Hein? C'est une rotation complète. C'est un mouvement des as. La révolution. Revolvere. La révolution, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est extrêmement important. Je fais la révolution. Je fais la révision. C'est pour vous mettre dans le bain. Une révolution est un changement. Une révolution est un changement, un bouleversement important et brusque. Bam! C'est pourquoi la révolution haïtienne, elle est extrêmement une révolution parce que c'est un changement. C'est une révolution anti-esclavagiste, anti-ségrégationniste, anti-colonialisme, anti-tous les autres. C'est une révolution complète. Et c'est la raison pour laquelle la révolution haïtienne donne problème. La procédure, ce que j'appelle. Je vous ai dit que c'est une rotation complète. C'est un changement brusquement. Je vous ai dit que la révolution de 1844, le train est en marche. La rotation tourne. La rotation tourne sur elle-même. On arrive en 2024, là. On arrive en 2024. La boucle est bouclée, comme dit l'autre. Ça devait boucler en 2024 et surtout en avril. Notez bien, Dixit Granger. C'est une rotation. Depuis 1844, le train est en route. Le train est en route. On verra. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la procédure, ce que je voulais, ce que nous allons considérer dans un premier temps, nous avons fait une sorte de parallélisme entre la révolution, la bataille de Vertières de 18 novembre 1843,
Avec la bataille de Vertières le 18 novembre 1943, en passant avec et la grande déception de William Miller de 22 octobre 1944, nous allons considérer ça, et pour y arriver en 2024. Je reprends. Quand j'ai, dans un second temps, dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons considérer premièrement la bataille de Vertières de 18 novembre 1803. Nous allons considérer cette date dans un premier temps. Une deuxième fois, nous allons considérer la date de 22 octobre 1844, l'ouverture ou encore avec grand désappointement de William Miller, la grande déception. Et nous allons considérer aussi 2024 pour montrer temps par temps la révolution, la rotation cyclique et lorsque la boucle est bouclée. C'est ce que nous allons considérer. Mais tout en négligeant à ne pas oublier, lorsqu'on avait considéré ces trois dates, 18 novembre 1843, 22 octobre 1844, avril 2024, en passant par la révolution césarienne, qui a dit césarienne, comme pour les autres, c'est un leader extrêmement important. Pour les autres, on voit qui aime ce leader extrêmement important en ce moment. Allez pas oublier, le titre de doctorat est extrêmement important parmi les sept pionniers que quand je considère dans le mouvement millérythme. Dans le mouvement millérythme, en parlant de James White, Ellen White, Joseph Bates, et John N. Andrews, et Josiah Ainest, et Josiah Litch, Charles Fitch, en parlant de tous ces messieurs-là, parmi les sept, on a donné le nom John L. Andrews à l'Université de Michigan, de l'Université Adventiste, etc., parce que c'était le plus intelligent. Mais de la même manière, lorsque on est intelligent, c'est-à-dire, l'intelligence fait peur. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans la révolution césarienne, du latin, qui signifie « celui qui taille », césarienne, du latin, qui signifie celui qui taille, celui qui tranche, et ensuite pratiquer une césarienne. Et tout cela est important, surtout avec le titre de doctorat, ça paraît important pour le mouvement. D'où, maintenant, c'est un mouvement qui est en marche, avec ou sans César, ça va accomplir certainement. Avec ou sans César, car il y a d'autres des parties cultes. Ok, il y a plusieurs des noyaux. Par exemple, ensemble avec Madame Junon Brutus, on considère ça comme un noyau. Par exemple, ensemble avec le pasteur Ronald Jean-Baptiste, on considère ça comme un noyau. Par exemple, ensemble avec pasteur Jean-Renald Maurice, c'est un noyau. Et j'en passe, je considère le plus important, et le pasteur Andrew Henriques. Avec des prophéties, again, on a considéré ça comme un noyau, non pas les autres, etc., les autres réformés, non. Mais je reste à l'intérieur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la révolution césarienne, c'est lui qui taille, la révolution césarienne se trouve à l'intérieur d'une boîte de Pandore. Lorsqu'on ouvre la boîte de Pandore, on voit la révolution césarienne, et à travers la révolution césarienne, on a la révolution mystérieuse. C'est ce que nous allons considérer. Rien de nouveau sous le soleil. Le début. La révolution mystérieuse. La révolution mystérieuse, quand j'allais considérer ça en se basant sur la révolution ou encore sur la bataille du 18 novembre 1803, la bataille de Vertières. Pour rendre hommage à la bataille de Vertières, on va considérer ça et tout en analysant la révolution césarienne à l'intérieur d'une révolution mystérieuse. Je sais, c'est difficile, mais écoutez deux fois avant de réagir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, car nous allons passer aux choses sérieuses. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, car nous allons considérer ensemble la révolution mystérieuse à l'intérieur de l'Église.
que nous aimons tous. L'Église que nous appelons tous l'Église du reste. On fait face à une révolution. C'est de la même manière que Jésus vini. Les pharisiens, les grands docteurs, ils ont parlé ça. Ces mages d'Orient sont bien loin qui viennent adorer. Pharisiens, ils ont goûté les grands docteurs de la loi, ils ont goûté. C'est dommage si vous avez lu les balises, bien quand j'ai fait depuis longtemps. Depuis près de 22 ans quand j'ai analysé pour rester debout, des hauts et des bas. Si vous avez analysé des bagages, vous avez évité. Je ne vous dis pas que vous avez occasion à un éclatement social, à un fait social. Côté un groupe de monde, depuis vous avez tout à réuni à cause de l'attitude nous. À cause de j'en ai fait. On est en face d'une réalité. On est en face d'un fait. On est en face d'un fait. Un fait est un fait. Un fait, il n'y a pas d'argument. Mais lorsqu'il y a un fait social, quand j'ai là, factum est factum contre factum, noyes argumentum. Un fait est un fait. Et contre un fait, il n'y a pas d'argument. Le fait, César. Cause et effet est là. On est en face d'une révolution césarienne en passant par une révolution mystérieuse à l'intérieur de l'Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Dans la deuxième partie, nous allons considérer les dates. Merci.